Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de X Politique. Un numéro dans lequel nous aborderons les sujets qui intéressent les rôlistes et ceux à l'approche de la prochaine élection. Nous avons avec nous sur le plateau Monsieur Jean Marine, porte-parole du RDS. Tout à fait, et maire de Rorikbourg. Et maire de Rorikbourg. Et Monsieur Robert Hussein. Exactement. Secrétaire du MILF. Premier secrétaire du MILF, le mouvement Interguilde pour le Loot et le Farm, je crois. Exactement. Donc nous verrons dans cette première partie un sujet qui intéresse tout le monde, j'ai envie de dire, c'est l'insécurité. L'insécurité en bord de ciel. Nous laissons la parole à la majorité. Alors tout d'abord, bonjour Monsieur Chazam, bonjour Monsieur Hussein. Écoutez, avant de vous faire part de nos mesures, je pense qu'il est important de bien identifier le problème auquel nous devons faire face aujourd'hui. Et le problème, il est très simple, Monsieur Chazam. C'est quoi le problème, Monsieur Chazam? Vous voulez que je vous dise ce que c'est le problème, Monsieur Chazam? Je vous écoute. Le problème, c'est qu'en l'espace de 5 ans, le taux d'infraction et de vol dans les tiroirs et dans les coffres des maisons a augmenté de plus de 40%. Je ne sais pas si vous imaginez 40%. Parallèlement à ça, on constate que le nombre de cas JIT, n'est-ce pas, squattant à l'entrée des villes. Le nombre de cas JIT squattant à l'entrée des villes a également considérablement augmenté. Vous pensez donc qu'il faut renvoyer les cas JIT? Nous, aux rôlistes de souche, nous pensons que ces phénomènes sont étroitement liés. Et oui, je pense qu'il faut envoyer, si vous voulez, les cas JIT chez eux. Pour les mettre où? Non, mais ce n'est pas notre problème. On ne peut pas accueillir... Bord de ciel ne peut pas accueillir toute la misère de Tamriel, monsieur Hussein. Est-ce que vous faites la même analyse, monsieur Hussein? Absolument pas, non. Monsieur Jean-Marine et son parti, comme à leur habitude, stigmatisent des populations parce qu'ils n'ont pas de réelles propositions à faire. Non, nous au MILF, nous pensons que le problème d'insécurité peut se régler avant tout par le dialogue. Et nous pensons d'ailleurs également que toutes les quêtes, annexes ou non, peuvent être réglées par le dialogue. Et il me semble que les différentes expériences que nous avons eues à Blancherive ou à Marquette, entre autres, l'ont bien démontré. Et donc si nous sommes élus, nous créerons 60 000 emplois supplémentaires dans le cadre d'un programme baptisé Skyrim Jobs. 60 000 emplois supplémentaires donc pour Skyrim Jobs, qui reprend un peu le principe de police de proximité. Et vous les financez comment, Skyrim Jobs? Écoutez, laissez-moi finir, monsieur. Comment, vous? Je vous ai laissé finir. On ne peut pas discuter. C'est quoi la solution? On ne peut pas discuter. Mettre des gardes à chaque porte? Écoutez, je suis donc des PNJ qui auront pour mission de guider les rôlistes débutants lors de leur entrée dans la vie active, car je pense que c'est important. Très bien. Donc, pour la première fois dans l'émission, nous allons accueillir une nouvelle séquence, messieurs. C'est la séquence SMS avec Pépita. Oui, tout à fait, monsieur Chazam. Une, pour être précis. Alors, attendez, voilà. On commence avec une question de Jean-Michel qui nous vient de Pompéjac, ASV. Alors, messieurs, ASV. ASV, bien 25, 40 minutes et Marquette. Monsieur Marine? Alors, 31, 23, Rorikbourg. Ok, très bien. Nous faisons donc une courte pause et on se retrouve juste après ce reportage. Salut, ça va? On commence ces news avec du Kingdom Hearts et l'annonce de la date de sortie du prochain épisode sur 3DS. Et c'est le 29 mars prochain que les Japonais pourront perdre du temps sur les dernières aventures de Sora et Riku dans un titre manifestement attendu par un grand nombre de joueurs. A cette occasion, les Japonais pourront également se procurer une 3DS aux couleurs de KH. Et pour être honnête, quel que soit notre feeling à l'égard de la série, il faut avouer que cette édition reste bien classe. On rappelle enfin que même si KH Dream Drop Distance n'a pas de date de sortie précise en France, le jeu devrait tout de même débarquer cette année chez nous. On continue ces news avec un second trailer de Bravely Default Flying Fairy. Lors du dernier TGS, on vous avait déjà parlé de ce titre 3DS terriblement prometteur visuellement parlant. Et aujourd'hui, on vous sous-titre ce nouveau trailer. Pourquoi? Eh bien pour en apprendre un peu plus sur l'histoire, mais aussi parce qu'on est des grosses bombes. ルクセンダルクは滅びへの道を進んでいます。ゆっくりと、しかし着実に。 世界を覆った深く重い闇、この闇を払えるたった一つの手段は私たち
クリスタルの巫女だけが持っていると言います。でも、そんなことが本当にできるのでしょうか。あまりにも大きな使命に私は戸惑っています。誰か、誰か私たちに力を。 あの日、あなたに出会った日を私は忘れない。希望の光、光の戦士。怪物、本当に来るの？さあ、どうかしらね。 On enchaîne avec le prochain Suiko sur PSP et cette mise à jour massive effectuée sur le site officiel du jeu. L'occasion pour Konami de nous en apprendre plus sur le game system d'une manière générale et sur les combats en particulier. On sait maintenant qu'il n'y aura pas de combat aléatoire, mais des ennemis visibles sur le terrain qu'il vous faudra engager. On sait aussi que votre équipe sera constituée de 6 personnages et que vous pourrez les placer sur une grille de 3x3, avec très certainement un délire de courte, moyenne et longue portée pour les attaques. Les attaques de groupe seront toujours présentes, avec des bonus pour des personnages ayant de plus fortes affinités entre eux, et un système de transmission de skills entre personnages anciens et nouveaux semble également avoir été mis en place. Du côté des classes, on apprend qu'il y en aura 8 de base, mais que des subclasses pourront apparaître en fonction des différents équipements. Enfin, on rappelle que le jeu sortira le 9 février prochain au Japon, et qu'il n'y a pour le moment aucune date de prévue pour la France. Capcom a récemment annoncé une date de sortie en Europe pour Dragon's Dogma. Et c'est en mai, le 25 pour être précis, que nous pourrons confirmer ou infirmer les premiers feelings que nous avions eus lors des différentes présentations du jeu l'année dernière. Des feelings qui, pour le moment, ne sont pas complètement positifs, notamment à cause d'une gestion de caméra super bancale lorsque nous avions testé l'animal à l'E-Cube dernier. On espère évidemment que ce souci, et d'autres principalement d'ordre technique, auront été réglés d'ici la sortie du jeu chez nous. On reste dans les annonces de date de sortie avec Disgaea 3, Absence of Detention sur PS Vita. Ce portage de la version PS3 devrait arriver en France le 19 avril prochain. On est maintenant habitué à voir débarquer sur console portable tous les Disgaea sortis jusqu'à maintenant. Mais en règle générale, Nipponichi met un point d'honneur à rajouter une tonne de contenu inédit, histoire de justifier un peu ses portages systématiques. On trouvera ainsi dans Absence of Detention tout ce que proposait Absence of Justice sur PS3, plus des personnages, des histoires et des items inédits, tous les DLC sortis jusqu'à maintenant, ainsi qu'une interface qui prendra en compte les fonctionnalités de la PS Vita. Bref, du lourd contenu susceptible de plaire à ceux qui accrochent à la série, même si, entre nous, c'est pas le meilleur, le 3. Mr. Champloo, can I go play it now, dude? A passionate story of friendships created on a school campus, dude! Et on termine ces news dans la beauté, avec un putain de trailer dont le seul but est d'annoncer la sortie de The Witcher 2, Assassins of Kings, Enhanced Edition sur 360. Avant de vous laisser kiffer les images, on vous rappelle que le jeu est prévu pour le 17 avril prochain chez nous, et que la critique de la version PC se trouve bien évidemment sur No Life Online.
Sortie au Japon depuis presque deux mois, la suite de Final Fantasy XIII vient tout juste de débarquer chez nous. L'occasion pour le Roleplaying Gang de ressortir cette interview des producteurs et réalisateurs Kitase Yoshinori et Toriyama Motomu, effectuée il y a de cela quelques mois. Une interview qui nous en apprendra plus sur le jeu, mais aussi sur les intentions de Square Enix durant le développement de FF13-2. 13のスタッフを、コアスタッフをその引き継いで、その10年3月の直後ですね、だから4月ぐらいから開始しました。今出たタイプゼロ等の他のタイプは、全く別のチームとして並行して進んでいますので、お互いそういう意味ではそこの制作にそれぞれスケジュールには影響することなく、独立したチームとして走っています。 今回はやはりこうサーティーに比べると、開発期間が2年から1年半ぐらいの非常にタイトなスケジュールだったことで、もう一切こう後戻りが効かないというか、非常にこうきっちりとこうフェーズごとに、例えば月ごとにマイルストーンを決めてしっかりそこに向けてスケジュールを立てて、毎月毎月こう締め切りがあるような形でゲームを構築していたので、まあそこのタイトさが一番大変だったところです。 Un développement plutôt rapide pour un Final Fantasy donc, qui a visiblement bénéficié des retours plus ou moins positifs sur FF13. Des retours qui semblent avoir définitivement influencé les équipes de Square Enix pour développer cette suite. そうですね、大きく今回の一番開発を始める時のテーマとして、 Final Fantasy 13でちょっと満足できなかったっていうユーザーの声をたくさんフィードバックして、僕たちの 新しいサーティーンでは、こういうふうにファイナルファンタジーは見せますっていう、そういう全てのことに、なるような、ゲームにしています。で、一つは、ある街があって、やっぱり戻れなかったっていうのが大きい要素なんですけど、今回は、いつでも戻れるだけではなくて、さっきのように時間を巻き戻してさらにプレイをしたりとか、そのまま何度も何度も行って、普通にその未来を見ていくとかっていう、そういう遊び方もできるし、リトライを繰り返しながら、今まで倒せなかったボスに倒せたりとかっていう、そういう自由度の幅がサーティーンに比べてすごい上がっています。 Si l'univers reste le même, avec des personnages et des lieux déjà bien connus, les nouvelles idées présentes dans le game system nous laissent croire à une toute nouvelle expérience, comme la gestion des monstres de son équipe ou encore la possibilité de revenir dans le temps. そうですね、いくつも盛り込まれているんですけども、バトルシステムでいうと、前作のパラダイムシフトのシステムは基本踏襲しながらも、今作は150種類以上のモンスターを仲間にすることができます。そのモンスターをパラダイムに組み込むことによって、ユーザーの思う戦略といいますか、戦い方を実現することができます。モンスター一体一体には、それぞれ個性、強さの個性付けがされているのと、特殊な 特殊スキルも一人一体に設定されてますので、よりその前作よりも戦略のバリエーションの広がったバトルが楽しめるゲームになっています。タイムトラベルに関してはファイナルファンタジーフランチャイズで初めての試みになるので、 例えばクロノトリガーのシステムをハイデフィニションのマシンでより、なんていうか、分かりやすく高級感を持って伝えるかっていうのを一つのテーマにしています。それともう一つは、ファイナルファンタジー13前作がリニアな物語の展開だったものを、今回プレイヤーが好きなようにこう時代とエリアを選んで、タイムトラベルをしながらストーリー、もしくは歴史、ゲームプレイ自体をこうプレイヤーのチョイスによって構築していくという、そういうコンセプトからタイムトラベルを主なストーリーにテーマとしています。 Des idées qui n'ont plus rien à voir avec cet esprit de linéarité super rigide qui a gêné plus d'un joueur dans l'épisode précédent. Un changement d'orientation radical qui laisse plus de liberté aux joueurs, à la manière de ce qu'offre de nos jours la grande majorité des RPG occidentaux. そうですね、例えば、マスエフェクトやもしくはそのオブリビオンなんかでもやられていると思うんですけども、会話を選択肢にして、
ストーリー分岐していくような形のシステムが入ってますんで、ただ13.2 に入れているライブトリガーというものはそれとはまた少し違っていて、よりカジュアルな遊びができるように、キャラクターとの会話を楽しむ、もしくはそのストーリーの情報をプレイヤーが好きなように選択してチョイスしていく、もしくはそのコミカルなシーンを逆に作れるようになったりとかっていうような形のライブトリガーっていうシステムを入れてます。もう一つは、よりこうなんていうかバトルアクションライクというか、派手にかつプレイヤーの一体感を高めるための演出としてシネマティックアクションというものを、導入しています。これは非常に欧米のユーザーには受けが良くて、非常に楽しめるものになっていると思います。ストーリーの分岐に関して言うと、先ほどのヒストリアクロスという新しいシステムの方がどちらかというと、ストーリーを大きく分岐させていきます。キャラクター の, その都度の会話だけで構築されるわけではなくて、例えばこうバトルでこうレベルを上げて、そのキャラクターを育てたキャラクターで、あるエリアに行って時代を巻き戻してもう一回プレイすることによって今まで勝てなかったボスに勝てるようになるとか、よりこうなんていうかな、深い形でキャラクターもしくはそのゲームと関わることによってストーリーを大きく分岐させていくような形になっています。Maintenant que l'on sait tout ça, on a évidemment hâte de tester l'animal pour voir si les intentions ont été respectées et si l'ensemble tient la route. Et le truc bien, c'est qu'on ne va pas attendre 10 000 ans avant d'être fixé. La critique de FF13.2 étant présente dans ce même numéro. On fait toujours les choses bien, nous. Nous voici de retour sur le plateau de X Politique pour cette seconde partie qui sera consacrée aux enjeux énergétiques qui posent, ma foi, un gros problème en bord de ciel. Ce n'est pas et un réel pas qu'en problème. Bord de ciel d'ailleurs. Nous laissons donc la parole à oui. la majorité pour les solutions. Alors, avant toute chose, monsieur Shazam, je tiens à dire que nous n'avons pas attendu que l'énergie devienne un problème en bord de ciel pour nous pencher sur la question. Cela fait maintenant plusieurs mois que nous avons, si vous voulez, lancé un vaste chantier à Fort d'Hiver qui vise à produire d'ici la fin de l'année plus d'un million d'Atronach de foudre. Les Atronach. Oui, bien sûr. Oui, laissez-le revenir un peu sur les conditions. Je termine et après, allez-y. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, un Atronach de foudre produit entre 35 et 40 gigawatts. Nous avons pour but d'augmenter ce rendement de manière importante. Et par quel moyen, monsieur? Par quel moyen? Nous avons juste une question, j'espère bien, monsieur. En rapport avec le sujet. Alors oui, deux secondes, attendez. Voilà, qui est le plus fort entre Alduin et Neo-Bahamut? Alors, monsieur Hussein, Alduin ou Neo-Bahamut? Alors, je vais répondre à votre question. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur un point qui me paraît important. Quand bien même, monsieur Jean-Marine, vous arriveriez à augmenter le rendement d'un Atronach, on reste encore bien loin d'un Ramu ou même d'un Ixion. D'accord, vous êtes d'accord avec moi, oui, il me oui, semble. Tout à fait, d'autant tout à plus fait. Qu'il faudrait veiller à ne pas se perdre dans la course à la puissance. Tout le monde se souvient, il me semble, de oui. la catastrophe de Midgar, oui, Midgar et des ravages qu'a provoqué l'énergie Mako. Seriez-vous capable de le nier, monsieur Jean-Marine? Non, 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 tout à fait. Il me semble pas. Fait. Il me semble qu'il y a une leçon à tirer de tout ça. D'accord. Faire de l'énergie, oui, mais intelligemment. Déjà, faire des économies et ne pas gaspiller son mana. Je crois qu'il faut qu'il y ait une certaine prise de conscience collective chez les rôlistes. Par exemple, est-ce que ce sort de lumière est-il vraiment indispensable? C'est vrai. Est-il vraiment nécessaire de se soigner après un combat au lieu d'attendre que l'énergie se régénère naturellement? Je pense que ces questions, les rôlistes doivent se les poser maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Et pour revenir au plus fort entre Alduin et Neo-Bahamut, parce qu'il me semble que c'est ce dont nous parlions à la base, n'est-ce pas? Il me semble que la réponse est claire et qu'il s'agit évidemment de Neo-Bahamut. C'est Neo-Bahamut. Monsieur Marine, au moins un point sur lequel nous sommes oui, d'accord. Au moins un point sur lequel nous monsieur, sommes d'accord. Voilà. Vous acquiescez, monsieur. Alors, effectivement, même si les Nordiques restent très très fiers de leur dragon, Neo-Bahamut, oui, ne serait-ce que parce qu'il peut aller dans l'espace. Dans l'espace, évidemment. Dans l'espace. Je crois que nous avons fait le tour de la question énergétique. Juste rapidement pour conclure. Très rapidement, je voudrais juste revenir sur un point important. Sur un point important, car au MILF, nous pensons qu'il est temps de revenir à des énergies plus naturelles. Car à l'heure où une racine de Spriggan chauffe aussi bien, des études sont en ce moment menées sur la racine monsieur, de Spriggan, nous ne sommes pas sûrs à 100%. Vous le savez très bien, nous savons ce que vous pensez de la racine de Spriggan, monsieur. Toujours est-il qu'une racine de Spriggan, et c'est avéré, chauffe aussi bien que n'importe quelle sorte de destruction. Et permettrait de surcroît aux Nordiques de réduire leur facture à la fin de chaque cycle de lune.
et cela me paraît important. Alors très bien, justement, la question économique, c'est le prochain sujet que nous aborderons dans la prochaine partie de l'émission. Mais juste avant ça, une question SMS. Une question destinée à Monsieur Hussein, j'imagine, qui demande s'il veut s'amuser avec des filles de sa région. Ma foi, oui, pourquoi pas, oui. Donc, je renvoie plan Q au 69 69 69. Allez-y, oui. Quant à nous, nous nous retrouvons juste après cette courte pause. Follow the path to the town of Gorehart. Find Agath. He's a friend and he may be able to help. No matter what else, stay alive. En cette fin de mois au froid hivernal, le Roleplaying Gang a confié aux stagiaires en rédaction de la chaîne la lourde tâche d'écrire une critique pour EXP. Une tâche importante, mais surtout bien plus chronophage et compliquée qu'elle n'y paraît, car faire la critique d'un RPG n'est pas chose facile. Il n'y a qu'à voir les scénarios souvent tentaculaires et le nombre conséquent de features que ce genre de jeu a l'habitude de proposer pour se rendre compte qu'entre un RPG et un jeu Kinect, l'investissement nécessaire n'a tout simplement rien à voir. C'est donc sous la pression de ne pas passer pour un débutant auprès du Roleplaying Gang et à plus grande échelle de la communauté des rôlistes que ce pauvre stagiaire s'est lancé dans un visionnage express des anciens numéros de XP qu'il avoue n'avoir regardé que pour les plateaux jusque-là. L'occasion pour lui de revenir sur 4 années de parodies de sitcom, de battles de rap, de voyages temporels foireux et de soirées des RPG Awards tout en gardant cette idée en tête. Écoutez avec plus d'attention les critiques afin d'éviter d'écrire des phrases bateau et consensuelles qui trahiraient un éventuel manque d'originalité de sa part. Et c'est avec la critique de Kingdoms of Amalur, un RPG de Big Huge Games qui va sans nul doute ravir les aficionados du genre pendant leur longue soirée d'hiver, que le stagiaire se lance. Dans les royaumes d'Amalur, les différents peuples vivaient en harmonie avec les Fays, des elfes immortels et pacifiques, particulièrement doués pour la magie. Une harmonie qui ne durera qu'un temps, car à la suite d'un coup d'état mené par un certain Gadflow, ces elfes se voient divisés en deux clans. Celui qui est resté non-violent, et les autres, qui se proclament les Tuatas. Agressifs et ambitieux, les Tuatas s'en prendront aux autres peuples d'Amalur, ce qui déclenchera une guerre terrible et perdue d'avance puisque les elfes ne peuvent pas mourir. Pendant un certain temps, les machiavéliques elfes prendront donc le dessus sur le reste du royaume, en décimant petit à petit les forces armées qui s'opposent à eux, vous y compris. Mort au champ d'honneur, vous serez transporté par deux gnomes assez bavards, s'apprêtant à jeter votre corps dans la fosse commune. Un corps qui n'a d'ailleurs pas encore été défini, nul ne sait qui vous êtes, ni à quoi vous ressemblez. Les deux croque-morts se décideront finalement à soulever votre linceul pour remplir leur feuille de registre, ce qui lancera de manière assez ingénieuse l'écran de création du personnage. C'est seulement à cet instant que vous pourrez définir le nom de votre personnage, son sexe, ainsi que sa race, chaque peuple ayant évidemment des affinités avec la magie ou des prédispositions pour certains métiers. A noter que le jeu ne propose pas de choix de classe, une subtilité sur laquelle nous reviendrons plus tard. Passé ce moment incontournable à choisir votre coupe de cheveux et à modeler votre avatar à votre image, vous serez nonchalamment jeté dans la fosse commune, sur une pile de cadavres en décomposition. L'histoire aurait pu débuter sur un flashback retraçant vos exploits jusqu'à votre arrivée en ce piteux endroit. Pourtant, c'est bien ici que tout commence, car ce lieu morbide va devenir le théâtre de votre résurrection. Le personnage que vous incarnez est en effet loin d'être un banal soldat, et vous vous rendez vite compte que vous êtes en réalité le premier succès du Puits des âmes, une invention destinée à réincarner l'âme des guerriers tombés au combat. Une façon de rétablir la balance avec les Tuatas en quelque sorte. Mais l'heure n'est pas encore à la recherche de votre identité. Au moment même de votre réveil, le fort dans lequel vous vous trouvez se fait justement attaquer par ces elfes aux intentions meurtrières, et il vous faut dans un premier temps trouver un moyen de leur échapper. Bref, ce n'est qu'après ces 20 minutes de tutoriel que vous pouvez enfin vous relâcher et commencer à vous poser quelques questions sur vous et votre passé. Dans l'univers d'Amalur, chaque personne est en effet censée avoir un avenir tout tracé, que les clairvoyants tisseurs du destin ont la capacité de percevoir. Cependant, il leur est impossible de voir votre futur. Vous êtes une page blanche, ce qui fait de vous un élément perturbateur dans la grande tapisserie du destin. Un être doué d'un libre arbitre, donc. Qui êtes-vous? Et quelle est votre place dans les royaumes d'Amalur? C'est vous qui le déciderez, en fonction de vos interactions avec ses habitants et des choix que vous ferez au cours des scènes clés. Si l'histoire de Kingdoms of Amalur prend de plus en plus d'ampleur à mesure de votre progression, les bases de son gameplay, elles, s'assimilent dès les premières minutes. On parle bien des bases, car le système de combat et la gestion des statistiques de Kingdoms of Amalur regorgent de subtilités plus ou moins complexes, que nous allons évoquer un peu plus loin. Sachez avant toute chose que Reckoning est un action RPG au style Heroic Fantasy, proposant un open world vivant, vaste et aux paysages variés. Ça ne vous rappelle rien ?
Ça serait mentir de dire qu'une dizaine de références ne nous viennent pas en tête lorsque l'on joue à Reckoning pour la première fois. On retrouve effectivement dans le jeu de Big Huge Game un bon nombre d'éléments tout droit sortis de Fable, de World of Warcraft, mais aussi et surtout de Skyrim. Mais il serait injuste de cantonner Kingdom of Amalur au rang de pâle copie de ses concurrents. Car en plus de s'inspirer des autres productions sans vraiment se cacher, ses développeurs ont fait des efforts notables pour donner une ambiance unique à leur dernier né. Première grande différence avec Skyrim, Amalur se joue uniquement à la troisième personne. Un point de vue qui tranche avec ce que l'on a vécu dans les précédents Elder Scrolls, notamment au niveau des combats. Nettement plus dynamique et intense, les joutes lorgnent du côté des beat'em all, en se basant non seulement sur des coups spéciaux, mais aussi sur des parades, des roulades, des techniques spéciales et des combos qui changent selon les armes portées. Armes qui sont par ailleurs plutôt variées. Assez variées en tout cas pour que vous puissiez trouver votre propre style, surtout que vous pourrez en équiper deux en même temps. A vous donc de faire votre choix entre l'épée, les masses, les dagues, ou encore les bâtons. A noter que d'autres armes plus originales font aussi leur apparition dans le jeu. Mention spéciale aux chakrams, des sortes de disques en métal plutôt funky, réservés aux lanceurs de sorts. Car RPG oblige, les armes que vous portez dépendent essentiellement du style de jeu que vous avez adopté. Et c'est là que les choses se compliquent. Nous avons déjà évoqué le fait que Kingdoms of Amalur n'imposait pas aux joueurs de choisir une classe à la création de son personnage. Une subtilité déjà vue dans les deux jeux précédemment cités. Ici, l'intention des développeurs est la même, vous laissez le choix. Le choix de définir vous-même votre classe en répartissant des points dans un arbre de talent. À chaque niveau gagné, vous êtes gratifié de 3 points que vous pouvez librement attribuer dans l'une des 3 branches, qui portent les noms évocateurs de finesse, sorcellerie et puissance. En clair, si vous voulez créer un voleur, c'est dans la branche finesse que vous investirez. Si au contraire vous ne jurez que par les casteurs, les talents de la branche sorcellerie feront de vous un mage ou un chaman dans les normes en vigueur. Enfin, si avoir une classe bien définie ne vous intéresse pas, vous êtes toujours libre d'opter pour une spécialisation hybride et de créer un voleur qui se bat avec des dagues mais qui lance des éclairs tout en portant de la plaque. Une abomination quoi. Toujours est-il que cet arbre de talent s'avère plutôt massif et malgré son manque d'originalité, il fera en sorte que votre avatar ait un style de combat qui vous convienne vraiment. Comme nous l'avons dit précédemment, les combats sont dynamiques. En plus des 2 boutons correspondant à chacune de vos armes, un autre bouton vous sert à effectuer une roulade, un mouvement rapide qui s'avère vital quand vous cherchez à vous extirper d'une situation, disons, tendue. Toujours concernant les options défensives, le bouclier de votre personnage a ici une réelle utilité et ne sert pas qu'à améliorer vos stats défensives. En le dégainant au moment opportun, vous pourrez par exemple effectuer une parade qui hébétera votre adversaire et vous laissera libre d'effectuer une contre-attaque digne de ce nom. Et autant vous dire qu'entre les combos, les compétences évolutives et vos sorts fraîchement appris, les manières de vous débarrasser de vos ennemis sont vraiment nombreuses et toujours aussi jubilatoires. Vous avez peut-être remarqué la petite barre violette qui se trouve entre la barre de vie et la barre de mana. Cette barre de destinée, car c'est son nom, se remplit en fonction de vos combos. En gros, plus vous combattez avec classe, plus cette dernière se remplit vite. Une fois cette barre remplie, vous pouvez par une simple pression des 2 gâchettes entrer dans une rage berserk durant laquelle vous serez plus puissant, plus rapide et surtout plus cruel. Plutôt que de vaincre vos adversaires de façon classique, vous pourrez alors les achever au cours de finish moves aléatoires franchement réussis. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir au niveau du système de combat. Mais aussi intéressant soit-il, ces affrontements ne constituent qu'une seule des nombreuses activités qui vous pousseront à allumer votre console ou votre PC. Il existe par exemple un système de crafting, mais précisons toutefois à ceux qui en sont allergiques qu'ils n'auront pas à créer des items jusqu'à ce que mort s'en suive pour monter en grade dans les métiers d'alchimie ou de forge. À chaque level up, en plus des 3 points que vous dépensez dans l'arbre de talent, vous devez aussi remplir une case du tableau de compétences. Cocher une case de la ligne forge vous permet par exemple de démanteler des objets plus rares ou de trouver des composants en fouillant vos ennemis. Utiliser votre point de compétence dans la ligne persuasion fera de vous un expert en manipulation, apte à faire adopter votre point de vue à quiconque. Bref, toutes ces fonctionnalités et choix de personnalisation vous donneront le sentiment d'être unique et totalement libre. Libre de suivre la quête principale et d'en apprendre plus sur votre passé. Libre de vivre votre propre aventure en visitant les grandes étendues des royaumes d'Amalur à votre propre rythme et en résolvant les très nombreuses quêtes annexes qui parsèment le jeu. Libre aussi de faire ce que bon vous semble dans les villes, et ce, à vos risques et périls. Ce marchand vend ses potions trop chères? Pourquoi ne pas faire un tour dans sa réserve? Ce civil vous manque de respect? Un petit recadrage le remettra sûrement à sa place. La criminalité et la délinquance ne sont bien sûr pas vues d'un très bon œil dans les royaumes d'Amalur. Et si vous vous faites surprendre à enfreindre la loi, vous aurez affaire aux gardes, qui eux ne sont définitivement pas là pour plaisanter.
À ce moment-là, trois choix s'imposent à vous. Soit vous acceptez gentiment la prison, auquel cas vous subirez un malus d'expérience, à moins de vous échapper façon Prison Break. Soit vous payez votre amende, qui sera un prix proportionnel à l'importance de votre crime. Ou la dernière solution, vous restez bonhomme et vous résistez à l'arrestation. C'est ce qui nous ressemble le plus à No Life. Vous l'aurez compris, l'univers d'Amalure est vaste, très vaste. Et pour peu que vous ayez envie de vous plonger intégralement dedans, vous ne pourrez qu'être halluciné par la massivité de son background qui vous est distillé petit à petit en dialoguant avec les habitants, en lisant les livres et les notes récupérées ça et là, ou en trouvant une de ces étranges pierres qui vous raconteront une petite histoire à chaque rencontre. Si comme nous, vous avez lâché un « bon et maintenant, je fais quoi ?» en parcourant bord de ciel, préparez-vous à entonner ce refrain assez souvent lors de votre périple dans Amalure. On retiendra donc deux principaux points concernant ce jeu. Premier point, son étendue et son charme, qui se traduisent par une ambiance sonore réussie et une direction artistique soignée, signée Todd McFarlane. Kingdoms of Amalure promet en effet de vous faire vivre une expérience longue, pleine de péripéties et si immersive que vous aurez souvent du mal à lâcher votre manette. Comptez d'ailleurs une bonne trentaine d'heures au minimum pour finir la quête principale et le double, voire le triple, pour pouvoir se vanter de connaître les royaumes d'Amalure de fond en comble. Vous serez peut-être même tenté de vous respécialiser intégralement si la magie vous lasse et que vous avez envie de voir à quoi ressemblent les techniques au corps à corps. Et là, autant vous dire que vous êtes reparti pour un tour, car votre stuff deviendra instantanément inutile. Le deuxième point à retenir est un peu moins élogieux, puisqu'il s'agit des défauts techniques. Kingdoms of Amalure est en effet truffé de petits bugs sonores et d'affichages qui, même s'ils ne sont pas toujours gênants, viendront quelquefois décrédibiliser vos combats et plomber votre immersion. Notons aussi la caméra capricieuse, qui sera plus d'une fois la raison d'une mort idiote, à cause d'un ennemi ayant échappé à votre champ de vision. Ou alors cette carte imprécise, qui vous fera perdre de longues minutes quand vous serez à la recherche d'un PNJ en particulier. Ce qui nous permet d'enchaîner sur une autre grande imperfection du jeu, les temps de chargement. Les royaumes d'Amalure s'étendent sur des dizaines de kilomètres, mais fort heureusement, les développeurs ont eu la bonté d'inclure un système de voyage rapide. Le problème, c'est que quelle que soit la proximité du lieu dans lequel vous vous rendez, vous n'échappez pas à cet écran de chargement, qui vous coupe totalement dans votre élan. Au final, Kingdoms of Amalure est loin d'être exempt de défauts. Et il faut avouer que les 20 premières minutes de jeu ne sont pas les plus mémorables, tant elles ne montrent pas le soft sous son plus beau profil. On est donc vite tenté de qualifier Kingdoms of Amalure d'ersatz de Skyrim, ou de copie peu inspirée de fables, aux animations bancales et aux scénarios déjà vus des millions de fois. Mais c'est un sentiment qui se dissipe dès que vous quittez le fort du début, et que vous saisissez la teneur et la richesse qu'offre ce RPG, pourtant développé par un studio peu connu. Malgré ses imperfections et ses petits couacs, Kingdoms of Amalure a de lourds arguments, et il n'a franchement pas à pâlir devant ses concurrents. On s'étonnera donc que le jeu ne bénéficie pas de plus de buzz et de communication à quelques jours de sa sortie. Car Reconing a beau être moins massif que ce mastodonte de Skyrim, il n'en reste pas moins très agréable, pour peu que vous soyez lassé des combats du dernier Elder Scrolls, ou que vous ayez tout simplement envie de rentrer profondément dans un RPG de bonne facture. De retour sur le plateau de X-Politique pour cette troisième partie consacrée aux enjeux économiques. Monsieur Hussein pour l'opposition, s'il vous plaît. Avec plaisir, et même si je pense qu'il est un peu douloureux de le rappeler, il est toutefois nécessaire de revenir sur le fait que ce pays traverse une crise, je pense que vous en conviendrez, depuis de nombreuses années. Une crise dont le MILF pense qu'il est temps de sortir, et d'en sortir en passant par l'emploi. Et donc revaloriser les quêtes annexes. Car non, il est grand temps, comment, car comment, il est grand non, temps. Mais attendez, monsieur, simplement question, si vous me laissez monsieur Hassan, tenir. Une question, écoutez, parce que c'est important. Question, monsieur Chazam, je c'est suis important. Prêt à répondre aux questions. Comment voulez-vous que nous nous sortions de cette crise qui J'allais frappe répondre, bord de ciel lorsqu'un Khajiit, n'est-ce un pas Khajiit, prend 50... Non, mais oui, non, mais oui. Non, mais j'ai les chiffres. Lorsqu'un Khajiit prend 50% moins cher qu'un Nordique pour la même quête annexe. Écoutez, à un certain comment moment, il faut arrêter avec ces discours. Mais non, mais il faut arrêter. Vous stigmatisez. Je ne stigmatise rien du tout. Je ne stigmatise rien du tout. Simplement, il faut appeler un chat un chat. Écoutez, c'est tout. Écoutez, monsieur Jean-Marine, je pense que les rôlistes ne sont pas dupes et que vous le savez très bien. Et que, non, plus sérieusement, je pense qu'il faudrait revenir à des problèmes plus concrets, plus sérieux. Donc, comme je le disais en début d'émission, je pense qu'il est nécessaire d'accompagner les aventuriers débutants dans leur quête principale. Et pour cela, le MILF se propose d'instaurer la gratuité des auberges jusqu'au niveau 10, ainsi que le remboursement partiel des potions et pourquoi pas des éthers. Et comment vous financez pas... Écoutez, laissez-moi finir et j'y répondrai, j'allais y répondre, monsieur Jean-Marine. Donc, nous proposons également l'augmentation du level cap,
qui, pour rappel, est maintenant à 85, et nous le passerions à 99. Car c'est extrêmement dur de trouver aujourd'hui une quête intéressante à partir du niveau 65. Alors, simplement, j'aimerais rappeler que le level cap n'est pas à 85, mais à 81. Ah, vous n'avez peut-être pas les derniers chiffres, monsieur. Non, mais nous n'avons manifestement pas les mêmes chiffres. Et j'ajouterais que augmenter le level cap, mais c'est une vaste pantalonnade, messieurs. Ah bon ? C'est une vaste pantalonnade. Je vais vous expliquer pourquoi, monsieur Shazam. Pourquoi ne pas aller dans ce cas jusqu'au level 9999 Mais pourquoi pas, monsieur. Écoute, un level dans le Netherworld n'a strictement aucune valeur. Il n'a pas du tout la même valeur qu'un level dans Bord de Ciel. Je veux dire, c'est juste un pide, non? Non, écoutez, monsieur Hussein, je pense qu'il faut arrêter d'être fantaisiste. Il faut se préoccuper des vrais problèmes des rôlistes. Non, nous, au RDS, nous pensons qu'il faut totalement sortir du septime. Soyez sérieux, totalement sortir du septime, retourner à la pièce d'or et l'indexer au guild. Très bien. Oui, mais alors, tout à fait. Mais pourquoi est-ce qu'en Ivalice, ils s'en sortent beaucoup mieux? S'en sortent-ils vraiment mieux? Mais oui, c'est limpide. Nous comptons également intensifier la chasse aux paradis fiscaux. Oui, parce qu'il y en a. Très bien. La chasse aux paradis. Oui. Et là, alors là, tout de suite, je pense aux Goldfusseurs. C'est amusant d'entendre ça de la part d'un parti qui se propose de fiscaliser les rôlistes sur le stuff et non sur le level. Et nous savons très bien que ce genre de procédé favorise les paradis fiscaux sous toute leur forme. Non, je pense qu'il faut. J'aimerais revenir sur le point que vous souleviez, la sortie du septime. Vous ne pouvez pas être sérieux en disant ça, monsieur. Vous ne pouvez pas être sérieux. Non, il faut garder un septime fort en relançant les exportations de d'ébonite, les exportations de saumon, les exportations de métal d'Ouémer qui marchent. Messieurs, je crois qu'en régie, nous avons une question SMS. Attendez. Ouais, je pense que c'est pour moi. Que portes-tu en ce moment? Un shorty. J'en vois. Un commentaire, messieurs? Bon, je pense que c'est très clair. Alors nous nous retrouvons après cette courte page de publicité pour la quatrième partie qui sera consacrée à la laïcité. Carrément versé dans le mélange des cultures et tout ce qui s'ensuit, le role-playing gang est résolument polyglotte par conviction autant que par nécessité. On sait donc depuis un certain temps dire désolé dans tout un tas de langues différentes. Et ça nous a déjà bien aidé. Sorry, Scusi, Tsushimasen, tout ça, on connaît. Par contre, et même si ça fout un peu la honte de l'avouer comme ça, on n'avait jamais appris à le dire en RPG. Bah apparemment, ça se prononce Final Fantasy XIII 2. On n'invente rien, hein, c'est le terme exact utilisé par un Square Enix visiblement déterminé à se faire pardonner FF13. Et c'est bizarre. Parce que ouais, d'accord, l'épisode avait fait polémique. Ok. Mais à ce qui paraît, c'est le cas d'à peu près tous les Final Fantasy. Pas de quoi en faire une raclette a priori donc. Ni de développer une suite en à peine plus d'un an en criant sur tous les toits qu'on a écouté absolument toutes les doléances des fans déçus. Enfin, le principe a quand même un petit côté touchant. D'ailleurs, voilà, ça y est, je suis ému. Et j'ai envie de jouer carte sur table. Moi, c'est Moguri, et je fais partie de ces gens très déçus par Final Fantasy XIII. Et si d'aventure cette critique devait vous mécontenter, prenez bien soin de vous manifester un peu partout. Je vous promets de prendre en compte toutes vos remarques, même les plus absurdes, même les plus contradictoires, pour vous pondre le mois prochain une version en tout point conforme à ce que vous attendez. Ça vous fera plaisir, vous aurez l'impression d'être écouté. Et moi, je me ferai des thunes en me contentant d'assembler vos idées. Donnant tout the donnant. One more thing. Don't ever lay down and wait to die. Les plus futés s'en doutent depuis un certain temps déjà. Final Fantasy XIII 2 est la suite directe de Final Fantasy XIII et part donc du principe que vous avez fini ce dernier. Un résumé est bien accessible à partir du menu principal, mais il rafraîchit bien mieux la mémoire qu'il ne pallie au premier épisode. On va donc partir du principe que vous avez fait FF13. Dans le cas contraire, on ne saurait que trop vous conseiller de dégager vite fait avant de vous faire spoiler la gueule. Et là c'est cocasse, parce que normalement, Médoc est censé se casser aussi. Mais il peut pas parce qu'il est en train de se piquer. Ha ha ha, désolé Médoc. Et désolé aussi de te faire dire désolé à toi-même, c'est super bizarre. Bref, FF13-2 commence 2 ans après la fin du premier épisode, soit 2 ans après que la chute de Cocoon a été évitée par le sacrifice de Vanny et de Fang. Jusqu'ici, on pensait que toute la fine équipe de l'époque s'en était sortie saine et sauve. Mais visiblement, il y a une couille dans le miso. Parce que pendant que sa sœur Sera pleure sa disparition, Lightning se frite avec un certain Caius au Valhalla, sans qu'on sache trop pourquoi ni comment.
Le jeu s'ouvre d'ailleurs sur un de leurs duels épiques, alors qu'un certain Noël arrive d'on ne sait où, pour se voir confier une mission par Lightning. L'adolescent devra retrouver Serra et la lui ramener saine et sauve, sans oublier de lui remettre un Mog porte-bonheur avec un arc à poulie de série au passage. Comme ça a l'air super important, le jeune accepte et débarque à dos de météorites sur Neo Bodum, point d'ancrage des rescapés de Cocoon. Avec son arrivée, coïncide une série d'événements étranges qui semblent altérer le continuum espace-temps lui-même. Et ça tombe bien, parce qu'après avoir trouvé Serra, Noël lui explique qu'il compte bien l'emmener aux quatre coins du temps pour retrouver sa frangine. Non. Do you know where my sister is? Come with me. Le principe pour les deux héros sera de se trimballer d'époque en époque, au gré du bon vouloir de portails activés par des artefacts. Derrière ce nom générique se cachent des objets perdus dans le temps, qu'il va évidemment nous falloir dénicher pour progresser et démêler petit à petit les nœuds du scénario tout en réparant l'histoire avec un grand H. Final Fantasy XIII 2 s'invite donc dans la grande famille des jeux basés sur le voyage temporel, un thème aussi potentiellement épique qu'il peut être casse-gueule. Sans éviter certaines maladresses ni quelques Deus Ex Machina un peu grossiers, le jeu s'en sort plutôt bien. Bon, on reste assez loin de la référence dans le domaine, inutile de la nommer, les vrais savent. Mais le scénario fait son boulot, et le rythme reste soutenu d'un bout à l'autre de l'aventure, tout en laissant le joueur assez libre de ses mouvements. On reprochait l'inverse à Final Fantasy XIII, on est servi. Et histoire de bien insister sur cette liberté, il arrivera régulièrement que le jeu nous propose différents choix de réponses lors des dialogues, sans qu'il n'ait cependant une quelconque influence sur quoi que ce soit. Dans le jargon, on appelle ça de la poudre aux yeux. Les personnages principaux de leur côté sont peu nombreux, mais mieux construits que ce que l'on pourrait craindre en premier lieu. On reprochait l'inverse à Final Fantasy XIII. On est servi. Retenez bien cette phrase, elle vous resservira. I've made up my mind. You and I. We go together. I won't let you down. We'll find Valhalla, I promise. It's the Historia Crux, the crossroads of the time continuum. À la manière d'un Chrono Trigger, ça y est, on l'a nommé, FF13-2 part du principe que le temps s'articule autour d'une sorte de carrefour. Il s'agit ici du cœur de l'histoire, qui relie toutes les époques entre elles. On en a fait la connaissance très tôt dans l'aventure, et les allers-retours y seront fréquents jusqu'à la fin, puisqu'il fera à la fois office d'indice de progression et de map monde. Il servira donc de hub entre les différentes zones du jeu, qui se veulent dans l'ensemble assez vastes et riches en trouvailles pour les joueurs minutieux. On reprochait l'inverse, tout ça. Dommage cependant que la progression suive toujours le même schéma. Serra et Noël débarquent dans une nouvelle époque, entendent comme par hasard parler d'une anomalie temporelle, un boss la plupart du temps, puis ils s'en chargent et débloquent ainsi l'artefact qui leur permettra de débloquer le prochain portail. Vite redondant, un peu comme les combats qui suivent les mêmes règles que dans Final Fantasy XIII. Le principe est donc encore une fois de jouer avec les différents jobs des personnages, qu'il est possible de changer à la volée en pleine joute selon les stratégies déterminées au préalable. Le système de break fait également son retour tel quel et impose toujours de faire monter une jauge de combo en utilisant la magie pour ensuite déchaîner les flammes de l'enfer sur un ennemi grandement affaibli. Le tout en ne contrôlant qu'un seul combattant à la fois, les autres étant gérés par l'IA. On se contente de toute façon la plupart du temps de laisser le jeu choisir les actions à utiliser grâce à la fonction auto, plus rapide et souvent aussi efficace qu'une sélection manuelle. En résulte donc une certaine passivité pour le joueur, qui n'intervient finalement que pour changer de job, et plus rarement lors de phases de QTE basiques. C'est un peu dommage, mais les rencontres aléatoires s'expédient rapidement, et c'est tout ce qu'on leur demande. Seule véritable nouveauté concernant les combats, le système de capture de monstres donne une petite dimension Pokémon à l'ensemble. Après avoir battu une créature, il arrivera qu'elle rejoigne les rangs de l'équipe pour combattre aux côtés de Noël et Serra. Chacune d'entre elles possède un job fixe, un niveau maximal, et un set de capacités données qu'il sera possible de transférer par fusion. L'évolution de tout ce beau monde se gère dans le Crystarium, lui aussi hérité d'FF13. Les protagonistes humains gagnent des CP à la fin de chaque combat, que l'on dépense ensuite pour débloquer des capacités dans chaque job. Les monstres suivent à peu près le même principe, mais consomment des objets spéciaux. Simple mais efficace, ce système est malheureusement limité par un faible éventail de capacités à débloquer. Sachant que Serra et Noël sont les seuls héros de l'aventure et qu'ils partagent les mêmes aptitudes, on fait très vite le tour de ce qu'ils ont à apprendre. La sensation de monter en puissance s'en trouve dès lors très amoindrie. Ça n'empêche pas le jeu de rester longtemps très facile, avant de virer soudainement de bord en fin de partie. Fin de partie qui interviendra en une vingtaine d'heures pour qui se contente de suivre le scénario, mais qui pourra être bien poussé si l'on se met en tête de profiter des annexes. Certains PNJ proposent en effet des quêtes optionnelles qui peuvent rapporter des artefacts donnant accès à des nouvelles zones, ou des fragments dont certains offrent des fins alternatives souvent fantaisistes.
On pourra également trouver une sorte de parc d'attractions pour s'adonner à la fièvre des machines à sous ou aux courses de chocobo. En post-game, le Colisée viendra quant à lui apporter sa dose de combat extrême. Square Enix nous avait promis le retour de tous ces petits à côté absents de FF13, on a encore une fois été servi. On devrait s'en réjouir, mais un désagréable sentiment de précipitation ternit un peu le tout. Ces ajouts semblent en effet avoir été faits par principe plus que par conviction, et restent pour la plupart très superficiels. Ils sont là et c'est déjà bien, mais on imagine d'ici l'équipe de développement les implémenter un peu à l'arrache, pour cocher toutes les cases d'un cahier des charges établi par des joueurs. Copie revue et corrigée de son prédécesseur, Final Fantasy XIII 2 fonctionne bien. Pour peu que l'on ait apprécié le système de combat de FF13, il fonctionne même extrêmement bien. On y trouve un peu de tout ce qui manquait au premier épisode, et les heures de jeu s'enchaînent avec plaisir. Sa manière de vouloir apporter à tout prix aux joueurs tout ce qu'ils ont pu demander peut cependant apparaître comme assez gênante. Gênante car elle sonne presque comme un aveu d'échec pour FF13, mais surtout parce qu'elle sous-entend que l'on attend d'un développeur comme Square Enix qu'il nous apporte exactement ce qu'on lui demande. Mais il se trouve qu'on lui demande beaucoup plus que ça. Parce qu'on est des gros bâtards d'une part, et parce que d'autre part, concevoir des jeux n'a jamais été notre métier. My hopes go with you, Noel Kreis. Become an arrow through time, and speed your way to Sarah. Be there for her, because I no longer can. Alors messieurs, la laïcité pour ou contre? Mais c'est choquant comme question, monsieur. Non, c'est pas choquant. C'est choquant. Non, c'est pas choquant. Je ne suis pas allé sur ce plateau, monsieur. Ah, oui, mais je serais curieux. Monsieur Chazam, à part les Kajits, moi ce qui me choque, mais non, il n'y a pas que les Kajits, bien sûr. Il n'y a pas que les Kajits. Moi, vous savez ce qui me choque, moi? Les Argoniens peut-être. Ce qui me choque, non, excusez-moi. Ce qui me choque, c'est qu'à chaque première lune, les rues de Vendôme sont littéralement bloquées par des adorateurs de Molag Bal qui empêchent. Non, mais oui. Évidemment, oui. Qui empêchent. Qui empêchent les honnêtes nordiques de travailler normalement. Nous y revenons. Ça, c'est scandaleux, ça. Ça, c'est choquant. Ce qui me choque également, monsieur Chazam, c'est la montée en puissance des cultes d'Edric. Oui, écoutez, ça, c'est choquant. Écoutez, ça, c'est, temps, ce sont des sujets préoccupants, d'arrêter. Ça. Oui. N'en avez-vous pas marre, monsieur Jean-Marine, de stigmatiser une nouvelle fois des populations? Non, monsieur. Pour cette question, je pense qu'il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Je prends un exemple. Je vous écoute. Mon ami, le maire de Rabanastre, a réussi à faire en sorte que toutes les races vivent en toute harmonie. Nous avons des Sikhs, des Viera, des Bangas, mais des Mughals. Mais ce n'est pas écoutez, la même chose. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien, monsieur, et vous en témoignerez. Même avec les Mughals, vous en témoignerez. Et particulièrement avec les Mughals, monsieur. Particulièrement. Et ça se passe très bien. Moi, je crois fermement au mélange des classes. J'y crois fermement. Et mon rêve serait de voir un jour des paladins, des nécros, des guerriers participer activement à la vie de leur village, ensemble. Et quant à la laïcité, il est évidemment hors de question de la remettre en cause. Tout le monde doit pouvoir adorer qui il veut, dans les limites, bien sûr, de la démocratie. Du respect, non mais tout à fait. Ce sur quoi, évidemment. Ce sur quoi le RDS est évidemment d'accord, même si, encore une fois, il faut le dire, même si, encore une fois, l'histoire de Bord de Ciel est étroitement liée à celle de... Mais je suis d'accord, mais l'un n'empêche pas l'autre. Nous vous avons bien compris, messieurs. Nous allons donc avoir une question SMS, je crois, en régie. Oui, monsieur Jean-Marine, que pensez-vous des déclarations d'Ulfric Sombrage qui ont créé la polémique ces derniers mois? Très bonne question. Si je peux me permettre, c'est une très bonne question. J'aimerais vous entendre. Pour les téléspectateurs, monsieur Sombrage a déclaré que la crise d'Oblivion était un point de détail de l'histoire. Et à plusieurs reprises. Comment peut-on, à notre époque, entendre ce genre de... Monsieur Marine, il n'y répondra pas, mais allez-y. Non. Alors, comme je l'ai dit à vos confrères et ceux à plusieurs reprises, vous n'avez qu'à inviter Ulfric sur votre plateau. Il se fera un plaisir de répondre à ces choses-là. Nous savons quel genre de relation vous entretenez avec monsieur Sombrage. Je suis le porte-parole du RDS. D'ailleurs, vous l'appelez Ulfric. Mais non, mais écoutez, vous voulez parler de... Non, écoutez, et vos petits amis impériaux, vous voulez qu'on rentre là-dedans? Nous n'avons plus de temps, nous allons passer à la dernière partie de l'émission consacrée à l'éducation. Thank you.
Neptune and the other console patron units fell into the evil organization's trap. Can Netgear save her sister and game industry itself? CPU Netgear has arrived! I don't intend to lose to anyone. I'm transforming too! Is this our chance? It's an even more hyper-hyper-dimension! There's a hyper-dimension! Here's another hyper-dimension! What awaits us on our hyper-dimension's edge? Where Seldom is heard, a discouraging word, and my wrath are not rising all in vain. Home, home on the waves, where the moorats and the fire gecko. Alors l'éducation, pour ou contre ? Monsieur Marine, peut-être. Bah, allez-y. Plutôt contre. Monsieur... Écoutez, laissez-moi prendre le temps de rigoler un petit peu avant de répondre à cette question. Je ne le raille pas, c'est mon avis. Oui, certes, mais est-ce vraiment une réponse ? Est-ce la réponse qu'attendent les rôlistes aujourd'hui, Mais en tout cas, c'est la réponse des rôlistes de souche. La réponse du RDS, tout à fait. Ce n'est pas une très belle réponse, monsieur le maire, si vous me permettez. Mais attendez, monsieur Hassan, il n'y a pas de monsieur le maire entre nous. Aujourd'hui, je ne suis pas face aux rôlistes en tant que maire de Rorigbourg, mais bel et bien en tant que candidat, tout comme vous, monsieur. Très bien, mais j'entends bien, monsieur le maire, mais je pense qu'il faut aujourd'hui réorienter les jeunes rôlistes vers des branches professionnelles manuelles. Car il faut les encourager à emprunter cette voie, notamment en augmentant de 50% la vitesse d'apprentissage dans ces branches. Car vous voulez que je vous dise, monsieur Chazam, et peut-être que je vous l'apprendrai aussi à vous, monsieur Marine, mais aujourd'hui, plus personne ne s'oriente dans ces domaines en bord de ciel. Et c'est un réel problème, car qui fait la cuisine en bord de ciel aujourd'hui? Je vous pose la question. Mais très bonne question. Qui cuisine, c'est un réel problème. Vous savez pourquoi plus personne ne cuisine en bord de ciel, monsieur? C'est à cause de vous et vos petits amis de Sérodi. Monsieur Jean-Marie, me laissez finir. Non, mais écoutez, je peux parler aussi fort que vous, monsieur. Ce n'est plus un débat. Écoutez, je ne resterai pas une minute de plus dans cette émission. Vous n'avez pas le monopole du tout, monsieur. Il serait temps que vous le sachiez. C'est ça les émissions politiques maintenant? Donc ça tombe bien, c'est la fin de l'émission, nous n'avons plus de temps. Peut-être un dernier mot ? Fous ! Non, il n'y a pas de dernier mot. Nous reverrons donc le mois prochain, même heure, même chaîne. C'est scandaleux, vous voulez que je vous explique pourquoi ? Et certainement pas les mêmes invités. C'est scandaleux ce qui vient de se passer. Non messieurs, alors, bon débat quand même. Tendu ? Oui, un petit peu musclé, mais c'était bon enfant quand même. L'habitude. Oui, enfin si j'avais eu le temps de parler, peut-être que les rôlistes s'en seraient mieux tirés, n'est-ce pas, monsieur le maire ? Tiens, en fait, je vous ai pas demandé, comment va votre femme depuis qu'elle s'est installée avec le grand rouge-garde ?